Ça a l'air déjà un petit peu creepy. Salut à tous et à toutes, je suis Seros et bienvenue dans You Deserve. You Deserve a été développé par TGA Company sur Unity Engine, il est sorti le 19 août. Et ce jeu m'a été recommandé par des abonnés sur Facebook. Let's go! Wouh! Hey! J'étais attaché sur une chaise et maintenant je suis jeté dans une sorte de labyrinthe. Where am I? Did I go to sleep? Apparemment non. Is this a dream? But it seems so real. J'ai déjà commencé plusieurs jeux d'horreur. Enfin, j'ai commencé beaucoup de jeux d'horreur dans ma vie pour savoir que ça se passe pas très bien. Press the left bouton. Ok. Non mais le tutoriel qui fait des mini jumpscares. Stop. Tab. Vous savez à quoi ça me fait penser? La façon que le menu est fait, etc. Ça me fait penser à Pesadelo. Ok, j'ai récupéré un marteau. Bon, bah, je suis maintenant dans une grotte. Ok. Ah, fais pas ça, s'il te plaît. J'ai compris comment ça croupit. C'est une grotte qui tombe directement sur une forêt. Ouais, bah, c'est logique, hein. On suit les événements. Qu'est-ce qui nous tombe dessus, comme ça? Pourquoi pas? I cannot see anybody in this place. How did I get here? Franchement, si j'étais toi, je me poserais pas la question. Est-ce que je peux rentrer ici? Apparemment oui. Mais j'ai un marteau, donc du coup je me sens un peu bien. Tu vois, à partir du moment où j'ai un objet avec lequel je pourrais frapper les gens, etc. C'est cool. My fault? What kind of yoke is this? Non mais t'es sérieuse, tu vois des trucs écrits sur le mur, tu crois que c'est adressé à toi directement? Mais non, ça peut être adressé à n'importe qui. C'est ta faute, c'est ta faute. Non, ça peut être la faute de n'importe qui se trouve dans cet endroit. Bon, clairement, il y a de la vapeur ici, je peux pas passer. Il faudra donc peut-être trouver un moyen de faire tomber ce truc. Oh, ok. Et il me semble que ma main était beaucoup plus petite, mais c'est pas grave. J'ai besoin d'une clé. Ouais, et t'as besoin d'une poignée aussi. Je peux pas courir? C'est agaçant. Elle marche trop lentement. Elle marche beaucoup trop lentement à mon goût. Ok. Ça a pas fait grand-chose. Je peux pas aller là-dedans, il fait trop noir. Mais t'es malade ou quoi? Je vois très bien, moi. Je vois super bien. Elle a peur pour rien, franchement. Moi, j'arrive dans l'endroit, je vois qu'il fait clair. Moi, je rentre dedans. Je vois pas le problème. Ici, il y a une tombe. Elle dit quoi? Eram Kodes Eris Somnolin. Ok. En fait, je joue une petite fille ou quelqu'un de petite taille. Tu vois, c'est... Bah, je veux dire, tout est assez haut par rapport à elle, ce qui est plutôt bizarre. Regarde, c'est exagéré. Si je veux récupérer des trucs là-haut, ben, faudra que j'escalade, hein. Qu'une clé. Bah, écoute. Hello. Ah. Est-ce que nous sommes toujours les meilleurs Samy. Ah. Apparemment, elle a dû faire quelque chose à sa meilleure amie. Elle doit avoir quelque chose à se reprocher. This place, it sounds very familiar to me. Ah bon? Ça te dit quelque chose? Mais t'as toujours été aussi petite? Ou c'est juste parce que je joue? Parce qu'il faut me dire, moi. Ah ah! Mais c'est vraiment, vraiment petit, quoi. Alors, cher principal, je vous écris pour trouver une solution au sujet que au sujet des problèmes que ma fille a. La situation est insoutenable et je devrais agir en conséquence si le problème ne se résout pas d'ici mercredi. Même si nous avons décidé de déménager, elle n'est pas capable de développer une vie normale pendant que nous sommes ici. Elle est sans cesse raquettée. Elle souffre de problèmes psychologiques et de violences physiques. Et nous avons remarqué que sa santé devient de plus en plus pire. Enfin, sans pire. Ma femme et moi avons remarqué qu'elle n'est plus la personne qu'elle était et elle a l'air déprimée. Nous espérons que vous faites ce que vous avez à faire et finalement que notre fille commence à aller mieux. Merci de votre attention. Baker Madison. Je suis bloqué. The fuck. Ah, c'est bon. Mon marteau, il est où? J'ai fait tomber mon marteau. Non. What the... Attends, tu veux dire que depuis le début, j'étais accroupi? C'est pour ça que j'avais l'air si petit?
Wouh, j'ai l'impression d'avoir grandi. Ça fait bizarre. Et je peux courir maintenant. Fan de batterie d'audio. Il manque une batterie pour activer ce truc. Alors, please, j'ai besoin d'un... Ouh, une grosse clé. Bon, j'ai trouvé une grosse clé. On va donc essayer de voir un endroit où on pourrait la mettre. Où est-ce que je pourrais t'en ficher, clé? C'est quoi ça? On dirait une batterie. C'est bon, j'ai une batterie. Ok, let's go. Allez. Comment on l'utilise? C'est allumé! Ok, voilà. Même pas un indice sonore pour me dire que tout allait bien, quoi. Le jeu, il se fout un petit peu de ma gueule. Mais il sait pas quoi. Pousser les caisses. Oh là là. Oh là oh là, là. Oh. Allez. Sérieux, quoi. Mais c'est quoi ce gameplay, la con? Culé. Ah, mais il est encore là. Et il me regarde. On va partir dans le sens. C'est bon, il est parti. J'ai plus de marteau, hein. Non, mais on s'en bat les couilles. Pourquoi tu parles? Qui t'a laissé adresser la parole à qui que ce soit? Bonjour. Nyeh. Ok. Y'a Teddy. Teddy. Teddy, franchement. Qu'est-ce que je t'ai dit, Teddy? Tu ne peux pas rester comme ça au plein milieu d'un couloir. Ça fait toujours peur, Teddy. Je te fais plus confiance depuis ce coup-là. Donc du coup, Teddy, je t'ai dit arrête, hein. Mais Teddy, c'est... What the fuck is happening in this place? Hey, demoiselle, langage, s'il vous plaît. Non, mais... Elle croit tout permis. Ah, parce que c'est une personne... c'est une adulte, hein, elle dit des gros mots. C'est n'importe quoi. Ah, mais c'est Rose, toi aussi, tu dis des gros mots. Oh, c'est pas une raison. Moi, je dis des gros mots uniquement quand j'ai peur. En quoi c'est une excuse? Je ne sais pas. Wouhou. Excusez-moi, hein. Je ne sais pas qui je suis, et je me sens perdu et tout seul, et j'ai pas eu le temps de lire. Mais je descends les escaliers... Enfin, l'échelle, d'une façon très bizarre. Ok, il fait vachement noir ici aussi. Ouais, et... Ah, il semble... essayer de trouver un moyen d'arrêter le gaz. Ah, parce que... C'est une femme normale. Hey! Mademoiselle, pourquoi vous courez dans ce sens? Est-ce que je dois vous suivre éventuellement? Peut-être que c'est une bonne idée. Il y a du sang partout, hein. Est-ce que je peux prendre ça? Tu sais, du style... Non? Ça aurait été logique, hein, que je puisse prendre ça. Je pense que ce trou tient une bougie de la même taille que celle de droite. Enfin, celle de gauche. Attends, il faut que je trouve une bougie de la même taille. Ah ah! Yes, ça va un peu mieux ici. Ah, d'accord, c'est ce genre de porte ici. D'accord, très bien. Bon, le truc était caché derrière. Et donc du coup, je vais pouvoir le poser ici. Ça va ouvrir la porte, je suppose. You! Je peux récupérer? Hey! Les gens... Mais t'es sérieux, là, le bruit, là? Oh, je suis désolé pour le bruit que vous entendez, là. C'est la clim, en fait. Je crois qu'elle est malade, ma clim. Elle va mourir, hein. Je crois que j'aurai pas de clim pour l'été. Ça va être génial. Oh! Wow! Tu crois que je t'ai pas entendu? J'ai entendu quelqu'un souffler, hein. Merde. Tu peux pas récupérer ça? Merde, j'ai l'impression que je me brûle les miches à chaque fois. Elle a du feu partout, elle ne récupère que dalle, ça m'énerve. D'accord. Je voyais que la fumée ici. Attends, je pense que je vais pouvoir récupérer cette bougie qui est derrière là-bas. Je suppose. Ça, c'est ce genre de logique du jeu vidéo qui m'énerve. C'est qu'il y a des bougies partout, elle pourrait en récupérer une. Mais non, hein, madame préfère... Ça suffit? Hein? Madame préfère marcher? Tout seul? Comme ça? Sans rien, dans le noir? What the fuck? Peut-être qu'il y avait quelque chose dans l'autre vallée, je me suis pas penché pour récupérer. Ah ah! Oh, culé de ta race! Enfoiré! Ah non, c'était pas cool. Ah!
Je dois trouver un moyen d'alimenter, de mettre du feu là-dessus. D'accord. Putain, c'était juste là. Non mais sérieux, le truc était caché là-dessous. Bon bah j'ai fini par le trouver, mais OMG quoi. OMG. C'est relou, je vois que dalle dans le jeu. Et il n'y a pas beaucoup d'indices, on te dit de trouver des choses, c'est caché vraiment dans des endroits incongrus, faut vraiment chercher dans tous les sens. C'est pas facile, hein. Genre, mais depuis quand du feu? Non mais, hey. Depuis quand du feu ça active, enfin depuis quand de l'essence active du feu, tu vois? Enfin, fuck la logique quoi. Ah quoi, là, c'était pour venir ici? Mais pourquoi t'as pas récupéré l'autre? Ah, maintenant je peux voir... Oh là, là, Seroche, ne cherche pas la logique dans ce jeu. Elle est inexistante, Seroche. Bon, j'ai récupéré une clé au moins. Je peux ouvrir la porte, mais quand même. Enfin, je sais pas, c'est pas logique. Bon, bref. What the fuck was that? J'ai rien vu du tout. Il fait trop noir pour que je vois quelque chose. Il y a juste la musique qui a changé. Stop! What? Ok. Ok, j'ai perdu ma bougie en plus. How did I get to this place? Il y a une femme qui sortait du mur et t'a foncé dessus, elle a fait gnam. Littéralement. J'ai 35 secondes pour bouger les caisses. Mais bouger les caisses où? There seems to be a swarm at the boxes. I think I can drain the water there. Mais comment? Ah, avec oui, le tool. Et je récupère où le tool, moi? Ok. What? What? Ce jeu est sérieux parfois. Ah, ben voilà. Voilà. C'est bon. There seems to be a swarm at the boxes. I think I can drain the water there. Bah c'est marrant parce que j'ai tout fait tellement rapidement que elle a pas eu le temps de lire, elle a pas eu le temps de parler. La pauvre. Et on pleure pas s'il vous plaît hein. J'ai déjà donné suffisamment hein. Et voilà, maintenant les saleté de ballon à la con. Ok. Bon écoute, on peut dire définitivement que les jumpscares sont plutôt effrayants dans ce jeu. Quoi qu'il en soit les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, partager avec vos amis, abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook et Twitter. Quant à vous, je vous retrouverai donc bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous tout partout. C'est Ross, out. Oh le con! Fuck.